Les feuilles mortes, histoire d'un standard de jazz. Les feuilles mortes a été composé pour un film qui se nomme Les portes de la nuit. Sorti en 1946, le film est un échec, mais la chanson deviendra quant à elle un grand succès. Tandis que les paroles de la chanson ont été écrites par Jacques Prévert, la musique a été composée par Joseph Cosma. Yves Montand est l'un des premiers interprètes de cette chanson. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Traduite en anglais en 1949, son titre se transforme en Old Town Lives. Elle est réinterprétée par les plus grands jazzmen de l'histoire. J'ai dit les plus grands jazzmen, je pensais plutôt à Miles Davis. Ou encore à Nat King Cole. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. Chet Baker l'interpréta. Les feuilles mortes, ou Autumn Leaves, est devenu un véritable standard. Mais qu'est-ce que c'est au juste? C'est une œuvre connue par tous les musiciens d'un style. Connue mais aussi jouée. Prenons un exemple. Dans les standards du rock, Queen, We Will Rock You. We will rock you, rock you. Smoke on the Water de Deep Purple. N'oubliez pas de remplir le questionnaire qui s'affiche en dessous de la vidéo.